Salut, bonjour à tous. Je me présente, Yann Benetrix, local d'Ossegor, un des pionniers à avoir surfé Bellara. J'ai fait un peu de biscotte dans ma jeunesse. Voilà, et je vais vous présenter mes boards que j'ai dans mon garage, dans mon quiver. Donc là, je vais commencer par la JS Big Baron, assez épaisse, 7 pieds, 2-3 quarts par 3. C'est une planche en fait que j'ai essayé parce que je me suis fait opérer du genou il y a un an et demi. J'ai eu une prothèse, donc j'ai tout recommencé à zéro. Et j'ai trouvé que cette board était assez évolutive et en même temps maniable. Donc je l'ai gardée, je surfe encore tout le temps avec elle parce que là ça va vachement mieux. Donc c'est une planche qui peut surfer dans toutes les conditions, bon pas des gros barrels à la gravière, mais on peut y aller. C'est un twin. Là elle est montée en FCS, donc je change assez souvent de dérive. J'utilise de temps en temps des S-Wing qui d'ailleurs ont beaucoup de drive, qui sont super bien dans des vagues un peu plus molles et voilà, des vagues de riff. Et cette planche est faite pour toutes conditions, moi j'adore. Je fais presque 100 kg, 1m81, donc voilà, il me faut du volume. Même je pensais qu'elle allait être un peu fine. Mais au final, ça va très bien parce que c'est super maniable et franchement, moi, je m'éclate avec. J'ai retrouvé le surf avec cette planche, avec ce type de planche. Alors, deuxième planche que je veux vous montrer, Maurice Cole, qui est mon shaper de tout temps. Quand j'ai commencé le surf, après la biscotte, c'est grâce à lui même que j'ai surfé. C'est mon pote, d'ailleurs, je lui souhaite bon anniversaire. Grand monsieur, grand shaper, il a innové et donc il m'a fait cette planche. Je me sers sur des vagues beaucoup plus méchantes, on va dire, plus power. Alors les cotes, c'est 7,2, 22 par 3,25, c'est balèze, ça fait 56 litres. C'est pour les gros. Mais planche aussi super maniable. C'est le modèle Vincon 3, un peu amélioré, parce que j'ai demandé à ce qu'ils me mettent la planche un peu plus pointue et moins ronde comme ils faisaient, parce que je voulais que ça soit une planche plus pour la gravière, et même si j'y surfe beaucoup moins qu'avant, mais au moins j'ai la bonne planche. Ensuite, au niveau des dérives, tu peux surfer en twin, en 2+1 ou en thruster. Tu peux prendre des dérives plus petites et franchement c'est une planche qui est maniable et qui tient dans le tube et voilà, donc ça tu t'en sers pour toutes les conditions, petite tu la mets en twin, pour les tubes en thruster et vraiment en plus Maurice bon c'est le génie des shapers. Moi il m'a fait des planches en twin quand on a fait du towing au tout début, qui a fait évoluer ce sport et tout ça. Donc vraiment ces planches, c'est un peu des Formule 1 pour les vieux. Voilà. Cette planche a le bec nose qui est très prononcé. Ça permet d'avoir beaucoup de volume, planche plate devant, mais d'avoir le rail qui tranche bien dans l'eau. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment super sur les vagues creuses et tout ça, donc ça tient. Et en fait moi on surfe moins en vieillissant, mais avec cette planche ça permet de super bien ramer, de pouvoir surfer des bonnes vagues. Voilà, see you man. Je suis lourd dans tous les sens du terme, mais parce que je suis arrivé j'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. C'est comme quand j'ai pas été au bac, parce que j'y ai jamais été. J'avais envie de dire que Gracie était un con, et que ça, c'est pas pour les compètes. Je déconne, le mets pas.